confinement là, ça rend déjà nerveux. Les nerfs sont à vif, c'est là. Hein. Vous avez vu, pour nous insulter, ça finit pas. Déjà tes oncles ont parlé à la télé. Parce que je suis sûr que vous venez de la même famille. Pour dire qu'ils vont aller vous vacciner. Nyan pian. Au début même, je les ai défendus. Le scientifique et puis le journaliste là. J'ai dit que non, peut-être que s'ils vont nous vacciner, on va garder les vaccins là pour nous. J'ai fait parler avec deux de mes amis ici. Ils m'ont dit, mais toi Kevin, tu es vendu, hein. Je dis, ah, si on va nous vacciner, ça fait quoi? Vraiment, je demande pardon. Je demande pardon, je suis à genoux. J'ai vu que, pardon, je regrette. Je suis à genoux, je demande pardon, je savais pas. Moi, je pensais que ils voulaient bien faire pour aller nous vacciner. Déjà, c'est amusement pour eux. Jusqu'à celle dont je viens parler aujourd'hui, là, va se filmer avec des sales filtres, vous voyez, pour dire que, attendez d'abord. Regarde, nous, les Africains, là, on est comme des habitants de cour commune. Nous tous. On s'insulte entre nous, on se loupe pas. Mais quand tu viens nous provoquer, ça nous tout son sort pour grouper sur toi. C'est pour ça, c'est en Afrique seulement y'a coup commune. Depuis vous êtes nés, vous avez déjà entendu qu'il y a coup commune en France. Montrez-moi, je vais aller voir. Coucou les chers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ma vidéo d'aujourd'hui concerne une jeune fille. Je vais pas parler longtemps. Je vais vous faire écouter ce qu'elle a dit. Je tiens plus, mais je tiens plus. Je viens de commencer, mais je transpire. Oh, ouais, le truc là. Oh, faut pas m'énerver. Pas m'énerver. Voici ce qu'elle dit. Hein. De base, c'est des cobayes. Je suis désolée, c'est des esclaves. Donc, si on va leur faire les vaccins, en fait, arrêtez. En plus, franchement, c'est eux qui nous rapportent des maladies de genre la gale et tout. On va faire de manière parce qu'ils se prennent un vaccin dans le cul, en fait. Chienne, en fait. Soigne, en fait. Tu parles à qui comme ça, en fait? Imbécile, en fait. T'es noyau, en fait. Attendez, je vais me calmer. Il y a la suite. Donc, moi, je dis oui au vaccin pour les Africains. Donc, puis de toute façon, que vous êtes d'accord ou pas, personnellement, moi, je vous emmerde. Toi, tu nous emmerdes. Mais nous, on t'emmerde pas. Tu penses que quand tu vas dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous emmerde. Tu penses que quand tu vas dire ça, on va te laisser. Tu as menti, mamie. Tu as menti. Vidéo, ça là, je vais même pas whiteiser pour te donner. C'est une vidéo pour toi. Mais je vais pas whiteiser. Je vais pas choquer. Parce que vous, quand on vous croise dans la rue, pour vous demander renseignement, et puis on prend notre accent africain, vous ne comprenez pas. Exemple. Bonjour, monsieur. Je m'en vais à ruiner ma maison. Franchement, je sais pas c'est quel bus on prend pour aller là-bas. Qu'est-ce que vous dites? J'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est possible d'articuler, s'il vous plaît? Maintenant, la même là, je n'articule plus. Si on comprend pour vous, hein, quand vous comprenez pas pour nous, laissez. Parce qu'on est obligé de se parler. On n'est pas obligé de se parler. On est chez vous, mais on n'est pas obligé de communiquer. À la préfecture même là, souvent c'est des noirs qui sont là-bas. Souvent c'est les Antillais, les Martiniquais. Antillais ne peut pas me regarder dans les yeux. Il va me dire de choco. Antillais, Martiniquais, Réunionnais, Guadeloupéens, Mayotte, les gens de Mayotte là, si c'est les Mayotins, ouais. Les quoi, les Mayorais. Pas aussi Mayotte, mais on dit Mayorais. En tout cas, surtout même eux, ils ne peuvent pas me regarder dans les yeux. Ils vont me dire que de whiteiser. Parce qu'ils ne nous dépassent pas. Non, parce que j'ai remarqué, quand on prend notre accent africain, en France ici, pour leur demander renseignement, ou bien pour leur demander service, ou bien même pour aller postuler, ils comprennent pas. Mais quand on les insulte, malgré qu'on a pris notre accent, ils vont comprendre. Même si un vieux Yakuba s'est levé pour venir les insulter avec son accent ivoirien, ils vont comprendre. Accent ivoirien, même c'est déjà lourd. Imaginez, accent ivoirien, son Yakuba. Folie! Donc, hein, tu vas comprendre en fait, faut bien t'asseoir. En fait, j'ai fait des recherches sur toi. Les gens de Twitter ont dit que, Twitter là, Twitter on ment pas où? Les gens ne mentent pas là-bas fort fort. Parce que les gens vont sur Twitter pour insulter. Twitter, tout ce qu'on te fait, on t'insulte. On te lave propre. Ils finissent, ils ne te suivent pas. En temps long, ils ont versé sur toi l'aigle. Ça peut remplir 4 piscines. Mamie, tu dis que nous on est des cobayes en fait. Mais toi, tu es une porte-clé en fait. Tu es une waka. En fait, hey, tu es une P-U-T-E. En fait, j'ai vu tes vidéos sur Twitter. On t'a filmé. Ils ont mis ça sur Snapchat. Je dis que tu mangeais un plantain comme si c'était du KFC. Le gars là même te disait, mange. Mange. Tu dis que non, non. Déjà, tu as foufa. Poporo.
Njor, tes camarades, quand elles font ça là, elles se lèvent, elles s'en vont chez Jacques et Michel. Toi-même, peut-être tu es allé là-bas. Peut-être un Jacques t'a agréé. Il t'a mis là. Et puis Michel a regardé. Et puis quand ils ont fini, ils ont dit que bon, vraiment merci d'être venu, mais tu ne corresponds pas. Comme c'est qu'on m'a fait au casting de chant là, et puis casting de teenager là. Ils t'ont dit que je ne corresponds pas, voilà. Et ils ont raison. Tu es vilaine. Tu es vagué. Non. La partie là, je dois choquer. Sinon, elle va pas bien comprendre. Elle comprend, mais elle va pas bien comprendre. Je disais, là où je veux en venir là, je dis que t'es laide, t'es pas belle, la vie de Wam, t'es une face de cochon en fait. T'es vagué. Et la vie de ma mère, ça là seulement tu peux pas dire si tu n'as pas compris. Tu es tellement vilaine. Tant que tu tombes sur un site de moins de 18 ans, tous les abonnés vont résilier leur abonnement. Toi, tu viens parler à qui? Les scientifiques peuvent dire qu'on est cobaye. Ça va nous faire mal. Mais on va avaler. Parce qu'ils sont là, je crois, jusqu'en on dit qu'ils sont scientifiques. Mais toi, même pas niveau BPC, tu parles à qui, ma? Regardez-moi un cas social comme ça. Mamie, le RSA m'a sauvé. C'est ton nom. Le RSA m'a sauvé. Tu parles à qui? Tu es là, tu t'exprimes comme quelqu'un qui a vu Kutuku 5000. Ah, Kutuku, tu sais pas ce que c'est? Eh ben écoute, là aussi je vais whitiser. Eh ben écoute, le Kutuku c'est une boisson ivoirienne, typiquement ivoirienne, forte, très forte. Et en fait, quand tu l'ingurgites, ben écoute, ça t'envoie très très loin. Une débile comme toi là, entre toi et puis nous, qui doit te cobaye? Non, ça c'est une petite question. Ça c'est pas le clash. Entre toi, mamie qui mange le bangala sur Snapchat, cadeau, Njor, tu manges ça, tu mangeais ça. On dirait le menu KFC sans frites. Entre toi et puis nous, qui doit être cobaye? Nous au moins, si on dit qu'on va être cobaye pour aller nous vacciner, pour soigner coronavirus, mieux, on nous prend pour tester, pour voir ce qui peut soigner coronavirus. On préfère, mais toi, même le test du coronavirus va te refuser. Toi, je vais te dire, on doit te prendre pour ton voyage chez les agriculteurs qui font la moindre dans le pré là. Comme ça, le jour la vache tombe malade, avant de tester le médicament sur la vache, on t'appelle. Parce que j'ai vu tes photos, hein. La vache de ça, la vache qui rit. Tu parles à qui? Ma vache. Tu parles à qui? Chouane. La vache en fait, hein, on te prend. Le jour la vache va pas bien, on dit que viens ici, bois le médicament d'abord. Si tu réagis bien, on prend le même médicament, on donne à la vache. Si tu réagis mal au médicament, on donne pas à la vache. Ton compte tu es là, c'est ce qu'on doit faire. Parce que même tu sais à quoi. Et puis, si tu regardes ma vidéo là, faut pas dire qu'il est ouf lui. Mais c'est ouf lui. Mais non, mais il est sérieux lui. Je suis sérieux. Toi, et puis vache, quoi la différence? Façon tu réfléchis, et puis façon vache réfléchis là. La différence c'est où? Faut me dire. Il y en a pas. Il y en a pas en fait. Tu penses qu'en fait là, c'est ton papa qui a créé l'expression là. En fait, je vais te montrer. Je vais te montrer. Même cerveau que pour vache, tu viens nous parler à nous. À nous les Africains. Hé, hey, mamie. C'est-à-dire que toi et Feraldan sont vaches. Doliprane sont vaches. On doit tout tester sur toi d'abord avant de donner ça aux vaches. Quand on finit, on te prend aussi pour aller faire la même chose avec les bœufs et les moutons. Avant de piquer un mouton, on te pique d'abord. Avant de piquer un bœuf, on te pique. Ce sont tes collègues. Ce sont tes collègues. Et puis madame, on dit que tu habites à Dunkerque. La vache de Dunkerque. Attends, tu as aussi dit que... Attends. En plus, franchement, c'est eux qui nous rapportent des maladies de Jean Lacalle. C'est affaire des gars là, je voulais pas entendre. Il était sabari. C'est vrai, on vient chez vous. Certains même prennent bateau, pinasse, pour arriver en Europe. De Yopougon à Paris, de Douala à Milan, ils viennent en pinasse. Ok, tu peux tout nous dire. Mais si on dit... Qui sent? Eh, hey, tu peux pas mettre ça sur nous. Même si nous on sent, vous êtes les champions. Si on dit qu'ils n'aiment pas se laver, qu'ils supportent pas être en bas de l'eau, faut arrêter. Et ta sabari, faut arrêter. Regarde, si tu as la gale, commence à aller changer tes draps et rentrer sous la douche. Tous ces nous. Ah, même si on dit, tu es le genre de blanche qui se lave une fois chaque 3 jours. Quand on leur demande pourquoi,
Que non, j'ai une conscience écologique, hein. Gaspiller de l'eau, c'est pas bon. En plus, vous savez, en Afrique, il n'y a pas d'eau. Enfin, il y a vraiment des Africains qui manquent cruellement d'eau. Donc, franchement, gaspiller de l'eau... Pardon, gaspiller. C'est vrai que hein, chez nous, là, on coupe l'eau. C'est vrai. Ça, en Afrique, il y a délestage d'eau. Normalement, c'est délestage de courant. Mais chez nous, en Afrique, là, il y a délestage. Sont pour courant et puis sont pour eau. C'est pas grave. Mais lavez-vous. C'est chez nous, il n'y a pas l'eau, non. C'est nous encore, on vous demande pardon. Lavez-vous. Tu les croises dans le bus, ils sentent. Mais ils vont dire que non, tu sais, en Afrique, il n'y a pas d'eau. Regarde, chez nous, à Yopougona, si l'eau est venue aujourd'hui matin, on sait en même temps que demain matin, il n'y aura pas. Mais on n'est jamais venu pour dire que ouais, les blancs se lavent trop, qu'ils arrêtent de se laver. Vous faites un drain là, quand vous ne lavez pas, quand vous économisez, vous envoyez ça par DHL en Afrique. Vous envoyez ça par DHL. Vous n'envoyez pas par DHL. Donc frottez-vous, lavez-vous. Nous on n'a pas, on accepte. Tu vas fouiller l'odeur qui est en bas d'elle là. Ça peut réveiller cadavre de souris. Mais c'est elle qui a la grande gueule. Que nous on a la gueule. On a la gueule. Vraiment. Hey Seigneur, toi aussi là, quand on va arriver en haut là, faut que tu nous expliques en fait. Pourquoi tu nous as pas fait nous tous même chose? Pourquoi tu n'as pas fait tout le monde brun? Ou bien tout le monde noir? Ou bien tout, je sais pas. Je sais pas. Parce que tu as fait les blancs, les noirs, les métis, les... Nous voilà maintenant, on marche sur nos têtes jusqu'à... Migraine veut nous donner folie. Et après sa première vidéo qu'elle a faite là, pour nous insulter, pour dire qu'on est des cobayes, on est des esclaves. Elle a fait deuxième vidéo. Comme les gens l'ont insulté, les gens n'ont pas loupé, elle a fait deuxième vidéo. Je vous fais écouter. Moi, la seule chose que je me demande, c'est de supprimer les comptes que vous avez créés à mon nom, de supprimer les vidéos qui tournent de moi, les photos, les commentaires que vous mettez sur mes réseaux sociaux. Je vous rappelle que je suis humaine comme vous, j'ai dit des choses qu'il fallait pas, des choses pas humaines. Mais au bout d'un moment, il faut savoir réagir en tant qu'adulte. Tu es pété, oh. Tu es pété. Madame l'adulte, la vache adulte en fait, hein. Toi tu as déjà vu cobaye qui réfléchit en adulte. Toi seul tu dis que on est cobaye. Toi seul tu dis que on est galeux. Avec tout ça là, on peut être adulte. Je ne pense pas. On est nouveau-né, on est des on est des bébés gâtés. Bébés gâtés sont pauvres. Un bébé a des caprices et puis ses parents sont pauvres. De toute façon c'est vilain. C'est comme ça nous on est. Toi même tu dis on est cobaye. On est déjà cabri mort. Prenez mort. Couleur va te montrer là. Tu penses que quand tu as dit que non, arrêtez de partager mes vidéos, mes photos, arrêtez de créer des comptes en mon nom, faudrait réfléchir en adulte. Adulte mon cul, soigne. Donc c'est toi qui décides quand ça commence. C'est toi qui décides quand on doit fermer le rideau. Genre c'est fini. Tu as menti, oh. C'est maintenant le film commence. Si tu dors même, tu te réveilles. Le film là, tu vas trouver ça sur Netflix. On va te faire ça sec. On va te faire ça sévère. Et puis, quand tu es bête, on dirait canard, ou tu dis qu'on est cobaye là, vidéo là encore sur ton Instagram. En fait, tu veux le buzz. Mais on va t'en donner. Tu as choisi des adversaires que tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas les Africains. CP. CP, ça veut dire copine. Voilà. Non, mais t'es grave pas ma copine en fait. Non seulement chez nous là, en Afrique, il n'y a pas de travail. Baraté sort là. C'est en malinké, c'est une langue africaine, voilà. Tu taperas malinké sur Google. Chômage va nous tuer. Quand on passe le concours, on paye. Les présidents font 60 ans au pouvoir. Il fait chaud chaque jour que Dieu fait. En plus de ça, coronavirus est venu s'ajouter. Avec tout ça là, tous les problèmes qu'on a déjà là, toi tu viens nous provoquer. C'était pas le moment de nous pincer? Parce qu'actuellement, si tu nous pinces, on se verse sur toi. Fallait attendre après. Tu n'es pas venu au bon moment. En fait, le vrai problème, tu ne nous connais pas. La vache de l'amour et de l'oubli. Tu ne maîtrises pas notre modèle. On t'a pas dit que nous les Africains, ce qui est bon, ce qui est mauvais, on charge tout, on met tout sur notre tête. En Africain, façon on aime anniversaire, c'est comme ça on aime funérailles. Façon on remplit anniversaire des gens, c'est comme ça on remplit funérailles. En groupe, ce gâteau d'anniversaire, en groupe sur les arachides du deuil. On danse dans les deux, funérailles, anniversaire, on danse partout. C'est à des gens comme ça tu viens t'attaquer. Elle aussi dit, attendez. Bah, c'est des cobayes,
cobayes, tes œufs et ses esclaves. Donc, si on... Pardon. Viens nous chercher, tu vas aller nous vendre. Ou bien viens nous acheter. On va travailler chez toi. Si on n'a pas mis pressé-pressé en bas de toi. Ah, tu sais pas c'est quoi pressé-pressé? Ah, pressé-pressé, c'est un piment. C'est un piment très très fort. En fait, on va le mettre en bas de toi. Genre en dessous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pressé-pressé. Pressé-pressé là. On va écraser comme ça. Quand on va te pimenter avec, tu vas penser que les gens qui sont en enfer là, ils sont en train de jouer le ballon dans ton poitou. Toi, tu nous connais. J'ai vu, tu nous maîtrises pas. Tu nous maîtrises pas. Nous, là, quand on était petits, on mettait piment dans nos narines pour nous punir. Derrière, devant, partout, on nous pimentait. C'est vaccin expérimentation là qui nous fait quoi? C'est vaccin là même qui va pas accepter. C'est le vaccin même là. Quand on va nous dire qu'il faut piquer les noirs, on va tester un peu. Lui-même, il va dire que les gens qui vont prendre les vaccins pour aller expérimenter en Afrique. Est-ce que vous connaissez la commune de Yopougon? À Yopougon là, on prend liquide de vaccin pour faire shampoing. Est-ce que vous nous connaissez? C'est en Côte d'Ivoire. Maman de quelqu'un est assise sur chaise. Elle appelle. Elle dit que elle est assise par terre. Pourtant, tout le monde la voit, elle est sur chaise. Est-ce que vous dites que tu ne nous maîtrises pas? Oh, tu ne nous connais pas en fait. Folie va te prendre. Folie va te prendre. Tu feras mieux de faire une vidéo où tu t'excuses en bonne et due forme. Au lieu de faire une vidéo pour dire que arrêtez de partager mes vidéos et mes photos, arrêtez de créer des comptes, on est tous humains, j'ai tenu des propos inhumains, mais réfléchissons en adulte. Ta gueule là, ça peut pas dire je m'excuse. Tu peux, tu as parlé, tu as dit que on est humains, on a qu'à faire comme les adultes, mais tu n'as pas dit je demande pardon. Toi tu es malade, toi tu es sous toute une communauté, tu peux pas dire pardon. Toi mais nous dit que on n'est pas adultes. Mais attends, mais en fait. Les bras m'ont tombé, les bras m'ont tombé. Hey, toi tu nous insultes. Tu dis qu'on est cobaye, on est esclave, on a trop ça, trop ça. Tu fais une deuxième vidéo pour dire que, hey, on a qu'à te laisser en paix. Mais tu peux pas dire pardon, excusez-moi, je m'en excuse. Si ça vous a blessé, si ça vous a heurté, tu peux pas dire ça. Peut-être que si je t'ai excusé, même je n'avais pas fait une vidéo ça là. Regarde. Si toi tu es King Kong, nous on est Jet Li. Depuis je regarde les films de Jet Li, depuis je suis petit, il n'est jamais mort dans ses films. On ne gagne jamais, toujours, il frappe tout le monde. Même quand on le frappe une minute, lui il frappe deux heures de temps. Donc regarde, King Kong, nous on est Jet Li. J'ai dit que... Tu penses que Abidjan a décalé chez moi là, c'est pourquoi? Faut te méfier. Voilà, je crois que c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle nous aura plu. En fait, il y a des abonnés qui m'ont envoyé cette vidéo-là et j'ai vu que tout le monde en parlait sur Twitter en fait. Et je me suis dit non, ça franchement, parce que souvent on voit des trucs, hein. Je vois, je dis non, vas-y, flemme. Mais ça là, bisous la cobaye. Si on nous appelle cobaye, il y a bien une raison. Tout le monde dit les cobayes. La loupée.